officials have said they consider the outbreak of the new strain of rabies as being potentially the worst of this century. What are these symptoms? The victim begins to sweat, to shake, to foam at the mouth. The victim becomes violent and wants to bite somebody new. So? So, don't let anybody bite you. See you? Shooting down the victims is as good a way of handling them as we have got. C'est quoi cette méthode là? Dead body must be exterminated, either by destroying the brain or severing the brain from the rest of the body. Dégaine pour tuer. Oh, c'est vrai. Dès que je... Nice that you're here. It's been a nightmare. Bienvenue dans Grand Frisson, l'émission qui confond fiction et réalité. We whipped them and we got it all! Car les films du jour prouveront que l'imaginaire est parfois le plus court chemin vers la vérité. C'est à vous de faire appel à votre imagination. C'est ce que défendra Antoine Rimbaud, auteur-réalisateur du thriller juridique Une intime conviction. Mais nous verrons aussi comment les morts-vivants peuvent dénoncer la société de consommation. You should see all the great stuff we got, Franny. Kinds of stuff. This place is terrific. Comment revisiter le quartier de Shinjuku à travers un animé? Comment un film de monstre préfigure les ravages du sida? Surprise, I'm a monk for living. Comment un conte ou la chronique d'une époque peuvent aider à décrypter la folie? Alors ouvrez grand vos yeux, Contiti, vos nerfs optiques et asticotes vos neurones. Just wait out there, sissies. We're coming. And we're ready. On est d'accord, hein, le sac à main, vous l'avez trouvé que 8 jours plus tard, c'est ça? Déposé là, là, tout au fond. Mais le sac, vous êtes sûr d'en avoir parlé avec Durandet dès lundi? Oui, on a cherché ensemble. Mais on n'avait pas regardé là. Une intime conviction, qui vient de sortir dans une belle édition Blu-ray remplie de bonus passionnants, est un pur thriller juridique, profondément ancré dans le réel. Non seulement l'intrigue retranscrit le procès en appel de Jacques Viguier, jugé coupable de la disparition de sa femme, si ce n'est par la justice, au moins dans les médias. Les sœurs de Suzy vont soutenir cette accusation. Elles en sont persuadées, Suzy voulait divorcer, Jacques ne l'a pas supporté. Mais de plus, Antoine Rimbaud, qui signe ici sa première réalisation, s'est lui-même impliqué dans ce procès en débauchant l'avocat Éric Dupont-Moretti et en étudiant les écoutes téléphoniques de ce dossier complexe. C'est une très grosse responsabilité. Ça, c'est sûr. Autrement dit, il fut en quelque sorte l'héroïne du film Nora, un quidam obsédé à l'idée de prouver l'innocence de Viguier. En vrai, ils savent même pas si elle est morte. Hein. Si ça se trouve, elle est partie. Y a rien dans le dossier, c'est vide que de la rumeur. De toute façon, la presse a été dégueulasse. Mais y a pas de cadavre, y a pas de preuve, y a pas de mobile. L'implication de l'auteur du film dans cette affaire pose logiquement la question de la place de la fiction dans sa retranscription de faits réels. Forcément, les gens s'inquiétaient de mon rapport au réel. Où est-ce qu'il va aller avec ça, quoi, avec le réel? Quand est-ce qu'on est sûr que ça va pas être un documentaire? Je suis passé par plein d'essais. De tentatives de trouver une forme. Puis après, j'ai trouvé un dispositif de contrainte dans l'écriture, c'est-à-dire l'affaire, c'est vrai, on touche pas, on n'invente rien. Et tout le reste, c'est de la fiction, enfin tout le reste, c'est-à-dire Nora. Et là, je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux, c'est-à-dire que je trahis Éric Dupond-Moretti, le vrai, en le transformant en personnage de cinéma. Je lui mets des mots dans la bouche quand il lui parle à elle, qui sont de la pure fiction, et j'invente tout de manière très désinhibée, avec quand même une quête de justesse. Là où je peux aller loin, c'est dans la fiction. Et puis je peux parler de moi en encodant les choses, et de moi et de plein d'autres. C'est sûrement pour ça qu'on fait de la fiction, c'est par pudeur. J'ai eu besoin de trouver une espèce de distance de sécurité. Vectrice de fiction, Nora est ainsi constituée de façon à servir au mieux le film, notamment en lui attribuant une profession bien spécifique. J'aimais bien l'idée que ce soit un travail manuel, parce que manuel, bah, c'est du cinéma et ça se raconte très rapidement. Et je cherchais un travail de perfectionniste. Et c'est sûr que la cuisine, c'est un travail d'obsessionnel. Et j'aimais bien l'idée du restaurant parce que c'est les coulisses. Et elle se retrouve dans les coulisses du procès. Et j'aimais bien l'idée comme ça d'être dans l'ombre. Puis à un moment donné, je pitchais le truc en disant c'est un peu une aventure de Batman racontée depuis Alfred. C'est vraiment le partenaire, le sidekick de l'ombre. Bientôt vous engagez au cabinet. C'est pas dit que j'accepte. Et même si Nora n'est pas présente lors du procès, une idée visuelle permet de rappeler son implication dans le travail de la défense. Lou,
On n'a plus de feuilles blanches ? À l'audience, c'est pas un truc que j'ai inventé, pourtant on dirait un truc de scénario. Éric Dupond-Moretti, quand il interrogeait un témoin à la barre, il prenait des PV et il prenait aussi des écoutes téléphoniques. Et c'était des feuilles de couleur. Il avait des feuilles vertes à chaque fois qu'il y avait une écoute. Et du coup, toute la partie adverse levait un sourcil quand on le voyait attraper un papier vert. Voilà. Alors dans le cinéma, tout le monde est hyper superstitieux, on m'a dit le vert, c'est hors de question. Donc c'est devenu des feuilles bleues. J'ai trouvé ça génial parce que c'était un accessoire du cinéma. Et puis moi, ce que j'ai rajouté, et c'est là qu'on en fait de la fiction et qu'on... On coud le réel dans la fiction du film, c'est qu'il n'y a plus de papier blanc, et puis elle pique des feuilles à son fils, et son fils va savoir pourquoi il a des papiers bleus, et puis voilà. Et donc on en fait un truc intime qui lui appartient à elle, mais en fait, non, c'est une observation du réel qui amène à ça. Même si l'obsession d'Innocent Évigué peut parfois rendre Nora antipathique, Antoine Rimbaud a fait en sorte que le public ne perde jamais son empathie pour elle. C'est un wooden it, on court après la vérité, c'est elle qui court après la vérité, il n'y a aucun moyen qu'on ne s'intéresse pas à son objectif, qui est d'élucider cette affaire. Je pense qu'à partir du moment où elle se penche sur les écoutes et qu'on a l'illusion avec elle que peut-être la clé du mystère est quelque part dans les écoutes et qu'on rentre dans l'enquête, ben ouais, c'est bon, c'est gagné. C'est impossible de ne pas être elle mécaniquement. Après, pour cette raison-là, je prends le risque et il faut de la mettre à distance régulièrement parce que c'est un personnage transgressif, dangereux, qui peut-être est en train de se tromper. Ils n'ont aucune preuve, mais toi non plus, tu ne peux pas être sûr. Non mais c'est des conneries ce qu'ils racontent là, ils exagèrent tout. Car une intime conviction fait avant tout l'apologie du doute, ce qui transparaît dans le plaidoyer final de Dupond-Moretti, directement tiré du véritable procès. C'est peut-être l'échange le plus fascinant entre la réalité et la fiction. Ce dossier, à raison des aveuglements et des carences de l'enquête, est devenu le concours, l'épine de l'hypothèse. Une fois que j'ai trouvé le personnage, je suis parti de cette idée que la plaidoirie allait nourrir tout le film, elle allait s'adresser au personnage, donc il fallait que le personnage ait à entendre un certain nombre d'éléments de la plaidoirie. Donc je suis parti de moments de la plaidoirie, de morceaux de la plaidoirie, pour d'abord nourrir les plans de réaction sur Nora pendant la plaidoirie, et puis après j'ai pris des bouts de la plaidoirie et j'en ai fait des séquences de cinéma. Quand il dit dans la plaidoirie... Le jour où la conviction policière suffira, alors justice est morte. Et nous irons nous coucher. Il n'y a pas de Nora dans la réalité quand il le dit, mais quand il le dit dans le film, il le dit à Nora. Bon bah ça, cette idée-là, Nora, elle vient de cette phrase-là de la plaidoirie. Nora, c'est la construction d'une conviction policière. Et quand il le dit, bah, il s'adresse à elle dans le public et ça prend tout son sens. Ironiquement, lors de la sortie en salle de Une intime conviction, Antoine Rimbaud comprend que sa fiction fait écho à la réalité. Depuis la sortie du film, j'ai fait plein de débats et que j'ai rencontré plein de Nora, mais c'est vertigineux, c'est-à-dire que là, il y a une femme qui est persuadée qu'on lui a volé sa vie et que c'est elle, Nora. Mais vraiment, c'est-à-dire qu'elle travaille dans un restaurant, elle a rencontré Jacques Viguier, elle allait le voir au parloir, enfin c'est fou quoi. Il y a quelqu'un qui m'écrit sur Facebook qui est persuadé qu'il a retrouvé le corps de Suzy. Voilà, il y a énormément de gens dans l'opinion publique qui ont laissé leur conviction et leur obsession s'emparer d'eux quoi. La ville l'a découpé, parce que Viguier est chasseur. Hein. Moi, de mes yeux, je l'ai vu déposer un chevreuil dans le jardin. Finalement, le doute prôné par une intime conviction conduit aussi à revaloriser l'apport de la fiction dans le réel. La fiction est un outil de réflexion et de recherche de vérité. En tout cas, c'est un outil alternatif à celui du storytelling médiatique, hein, qui a été ravageur sur cette affaire. Et donc, c'est important que la fiction puisse répondre à ça. C'est hyper important. Vous êtes la dentelle, votre truc. En vos cas, c'est pas un métier d'orfèvre. Moi, je suis un bourrin, vos grosses cartouches.